Yes, bonjour les gars, c'est Serge et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur. Attendez, j'ai diminué le volume parce que de mon côté, il est très haut. Nous allons continuer notre aventure sur PS, sur Football Life 2023. Donc, vous savez, le mode est tout le temps dans la description pour ceux qui veulent télécharger ça. J'ai pas pu continuer mes vidéos parce que j'avais un temps surchargé, mais j'ai pu continuer ma carrière. Je ne voulais pas que vous voyiez toute la saison parce que j'étais encore très faible. Et nous entamons notre deuxième saison. Et donc j'ai déjà joué certains matchs. La saison passée, nous avons terminé à la 7e place. On était à ça d'arriver en Champions League. Mais aujourd'hui, on va essayer dans cette saison d'aller en Champions League. Je joue tout le temps à l'AG Auxerre. Donc, vous voyez les premiers matchs. On n'a fait que des matchs nuls. Pour le moment, on n'a pas encore gagné de match. Donc, nous allons directement entamer. Nous allons di directement jouer notre match. Je ne sais pas contre quelle équipe on va jouer directement. On va jouer contre Lens. La saison passée, j'ai marqué 6 buts en une saison en Ligue 1. Voilà, je vais commencer en tant que buteur. J'ai pu m'entraîner. Maintenant, je peux être buteur numéro 9 aussi et ailier. Donc, espérant que l'équipe pourra même être numéro 9 parce que il y a des lacunes parfois que je vois ici. Donc on va jouer contre RC Lens. Donc comme d'habitude, le premier match, moi je laisse la cinématique pour bien commencer la vidéo, pour vous mettre dans la vidéo, pour vous mettre dans l'ambiance et me mettre aussi dans l'ambiance comme si c'était dans la vraie vie quoi. Voilà, en tout cas, on se prépare. On espère gagner notre premier match ici. Et je joue maximum, je joue légende, je crois. Si je me souviens bien, les difficultés. Pas que je me trompe et que je dis légende alors que c'est seulement dans FIFA. Donc là, je vais passer tout ça. Donc je crois que ça, on n'a pas besoin de voir. On a vu, j'ai changé encore de caméra parce que je trouve que plus proche, c'est mieux. Mais j'ai un petit problème, je me fatigue encore très très vite. Je me fatigue super vite encore. Donc faudra que. En tout cas, j'ai mis à fond l'entraînement de l'endurance. Et maintenant, je suis un peu plus rapide. Aïe 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 aïe. Pas encore assez à ce que je vois. C'était ma première balle ici, mais ça n'a pas marché. Donc, je me dis que je ne vais pas vous montrer tellement beaucoup de matchs. Je vais vous montrer seulement peut-être des matchs importants. Je ne vais pas tout vous montrer. À part si pour vous, ça, il n'y a aucun problème si je vous montre presque tous les matchs. Je peux faire ça aussi, mais je n'ai pas envie, pour que ça ne soit pas très ennuyeux, j'ai envie d'avancer rapidement au moment où je serai dans des grands clubs ou bien où je vais rencontrer des équipes. Des grandes équipes. Pourtant, je vais diminuer aussi les minutes. Je crois que j'ai mis 10 minutes et les matchs durent des siècles. Je vais mettre 10, je vais mettre 7 ou bien 8 minutes. J'avais mis 10 minutes en fait. J'ai un problème aussi avec ma manette. Faudra que je la règle. En fait, ma manette, l'analogue, ça bouge tout seul et ma touche X, parfois, elle reste bloquée. Donc elle reste bloquée, donc ça veut dire que la touche X reste enfoncée dans la manette. Et ça me cause parfois des problèmes parce que si je ne suis pas attentif, je me retrouve en train de défendre tout le terrain. En tout cas, j'ai aussi augmenté, je crois que j'ai augmenté la... Attendez, est-ce que j'ai augmenté la vitesse de jeu? Game speed. Ouais, j'ai augmenté un peu. Pour que ça soit un peu plus fluide, parce qu'avant je trouvais c'était un peu trop lent. Pour l'instant, moi je m'économise parce que
Pourtant, il y a ce qu'on appelle le PS Switcher dans ce mode, en fait. Ils ont réglé les problèmes de stamina, mais j'ai trouvé que l'adversaire était trop facile à battre. Et j'ai pas trop aimé, c'était pas trop réaliste. Moi, je voulais que ça soit un peu réaliste. Attention. Ah là là. Donc, on fera 3 vidéos par match. Et ça dépendra. Il y aura des jours, on fera 4. Non, je dis, on fera 3 matchs par vidéo, pardon. Attention, attention, faut pas comprendre. Attention, on est en train de se harceler, c'est complètement. Voilà, passe, passe, passe. Okay. J'essaie de descendre, voilà, c'est super. On va faire la passe, mais je crois qu'il n'est pas assez rapide pour prendre cette balle. Comme je disais, en fait, on va faire 3 matchs par vidéo. Voilà, je trouve que les minutes vont vite, hein. On va faire 3 matchs par vidéo parce que. Voilà, je trouvais que 2 matchs par vidéo, c'est lent. Je crois que mes précédentes vidéos, je faisais 3 matchs. J'ai pas regardé, je sais pas. Je ferai 3 matchs par vidéo, mais ça dépendra. Quand ça sera des matchs très très importants, s'il y en a 4 d'affilée, ben, je ferai 4 ou même 5, ça dépendra en fait. C'est pas tout le temps, mais basiquement, on fera 3 matchs par vidéo. Donc, c'est la première période qui est finie, 0-0. On n'a pas eu d'occasion et Lens domine en tout cas. J'espère que vous avez vu la Coupe du Monde. Ah, c'était une finale de ouf. Argentine face à la France. Perso, moi j'étais pour la France. Pour l'Argentine, pardon. Mais bon, même si la France gagnait, moi j'étais content. Moi, c'était le premier match que j'ai regardé. Je me disais, j'étais pour la France et en même temps pour l'Argentine. Je voulais que Messi gagne, mais aussi, tu vois, j'ai un petit penchant pour la France aussi avec Mbappé et tout. En tout cas, ils nous ont régalé. Et ça devait se terminer au pénalty, en tout cas. Parce que ça devait se terminer par la chance. Et bien sûr que l'Argentine avait plus d'expérience au pénalty. C'était pas juste une question de chance aussi. Attention. Waouh, j'ai failli, j'ai voulu dribbler, ça n'a pas marché. Tout cas, je fais pas un super bon match. La raison pour laquelle je vais pas vous montrer tous les matchs, c'est que je suis pas encore, j'ai pas encore des stats de ouf, donc ça veut dire que je marquerai rarement. Et parfois, je vais couper la vidéo, ou bien je vais laisser. Vous voulez tout voir comme ça, vous me dites, mais je préfère couper parce que je sais que vous avez pas beaucoup de temps. Attention, on m'arrache le ballon. En tout cas, je suis distrait aujourd'hui. Je ne protège pas ma balle. J'essaierai de faire, comme je disais, environ 3 vidéos par semaine. Je crois que ça va. Et je disais que j'ai pas tellement de vues parce que c'est pas vraiment un nouveau jeu. Et bon, c'est seulement les gens qui aiment PS et qui aiment la carrière vers ma carrière. Voilà, très jolie passe là-bas. Voilà, on va essayer. Voilà, on va essayer. Ah là 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 là, mais bordel, c'est très difficile. C'est très très difficile. Peut-être je vais diminuer un peu la difficulté parce que on m'arrache facilement la balle. Ou bien je vais diminuer la rapidité, peut-être. La vitesse de jeu, pardon. Alors, vous avez vu, sur ma précédente vidéo, j'avais pas d'avatar. Pourquoi j'avais pas d'avatar? Parce que ça faisait. J'utilise un logiciel qui s'appelle VMagic Mirror et parfois ça ne veut pas passer dans OBS. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours où ça passe, des jours où ça passe pas. Vraiment, ça décide quand ça veut. Et moi, je veux pas vraiment me limiter à l'avatar aussi. Mais ça, c'est juste pour innover, pour rendre la vidéo intéressante. Alors, le match est fini 0-0. En tout cas. En tout cas, on fait des matchs très ennuyeux depuis le début de la saison, mais vaut mieux des nuls que des matchs. Mais ça, c'est notre vrai niveau en fait aussi. Donc, je peux faire comme ça, low. Superstar. Ah, c'est superstar. Je vais faire top player, c'est mieux. Parce que superstar, parfois, c'est scripté, comme je l'ai dit. Et puis, on peut voir aussi la Transfer Market News. Qui sont partis, il n'y a pas vraiment des très très gros transferts. Bon, à part Saïs,
qui est marocain, il a fait une coupe du monde de ouf. En tout cas, il mérite d'aller. Mais il a 16 ans ici. C'est quoi ça? Saïs n'a pas 16 ans. Ou bien c'est un autre Saïs, je sais pas. On va voir. Est-ce qu'il y a des grandes équipes qui ont acheté? Franchement, il n'y a pas de gros transferts. Hugo Lloris est allé à Chelsea. 29 millions. En 2 millions, Jamie Vardy à Tottenham. En tout cas, ce sont des bons transferts. Real achète. Barça achète. Dembélé va à Atlético, en tout cas. Ça, c'est réaliste un peu. Donc, il n'y a pas vraiment de très gros transferts. Sergio Gomez. Et j'ai mis transfert low parce que j'ai pas envie de trop chambouler les équipes. Et lui, je sais pas c'est qui. Gravenberch va à Liverpool pour 90 millions. En tout cas, il y a des gros transferts. PSG qui vend Vitinha. Bon, ça, c'est des anciens, je crois. Direct. Je sais pas contre quelle équipe on va jouer. On va jouer contre Lille. Donc c'est un gros match. J'ai diminué à top player parce que Superstar, franchement, je n'avais même pas le temps de toucher le ballon qui m'avait déjà arraché. Et super. Et on sait bien que quand c'est haut niveau, parfois le jeu est scripté. Là, je mettrai Superstar, mais pour le moment, je vais mettre juste top player, quoi. Je vais passer tout ça parce qu'on a déjà vu ça. Bon, je commence même pas full, hein, parce que j'ai joué tous les matchs et donc je me fatigue aussi. Donc parfois je monterai au numéro 10 parce que franchement. Ouh, j'avais eu la balle, je savais pas. Si j'avais attendu, j'aurais pu contrôler, mais j'ai cru que j'allais faire un coup de tête. En fait, il avait raté ça. Ah non. La prochaine fois, quand je demande la balle, je la contrôle d'abord. J'aurais pu marquer mon premier but de la saison sur cette balle. Ok, on va essayer de marquer notre premier but. On va faire la passe. Non, 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 il fallait pas me repasser. Donc oui, j'ai fait 7 minutes, c'est mieux je trouve que 10 minutes. 10 minutes, c'était le match faisait des siècles et parfois je m'ennuyais. Là, quand j'ai joué le premier match, j'ai senti directement qu'il y avait une différence, que c'était allé un peu plus vite. Peut-être que je mettrais 6 minutes, je sais pas. On va voir avec le temps. Dans PES, il y a quelque chose que je déteste. Les joueurs sont un peu trop bêtes. Parfois, ils peuvent voir le ballon devant lui et ils touchent pas. Il touche pas, il laisse la balle à l'adversaire complètement. Un truc qui est pas logique. Attention, attention. On va. Eh oui, il va marquer. En tout cas, on a un très bon gardien. Si vous avez vu le premier match, il a fait beaucoup d'arrêts. Je suis. Attention, on prend le ballon. On va. Voilà. J'essaie de le rejoindre le plus rapidement possible. Mais non. Peut-être j'aurais dû garder la balle et. C'est très mal joué en fait, il n'est pas rapide. C'est pour ça que j'ai envie de jouer attaquant numéro 9. Penalty. Et c'est penalty. Et voilà. Ah, très très bon gardien. En tout cas, on a un très bon gardien pour les points. Attention, Lille qui essaie de marquer. Ok, ça c'est très bien défendu. Voilà. Et voilà, je l'ai vu. En tout cas, j'ai vu son appel de balle. Et là, on y va, on essaye. Ah, mais là, il a très très mal joué. Il nous a fait gaspiller notre stamina pour rien. J'ai couru pour rien. Cette fois-ci, je resterai devant. Je vais essayer de m'économiser, mais bon. Non, de toute façon, on a déjà terminé notre énergie. Il vaut mieux le gaspiller pour bien l'utiliser. Voilà, première période 0-0. Comme d'habitude, on est habitué à ça. On est habitué vraiment à ça. Moi, parfois, mes matchs sont nuls. C'est pour ça que je faisais pas tellement de vidéos. Il y avait des matchs où je marquais. Il y avait d'autres matchs où, franchement, je me disais, wesh, attention, attention, il va tirer. Très, très bien défendu, très très bien défendu, mais il va pas la récupérer bien sûr comme d'habitude. Oh là là, on va prendre un but. Attention, attention.
Récupère, récupère, voilà, récupère, récupère, passe la balle. Attends, attends, je vais me mettre ici. Je récupère la balle, je réfléchis. Voilà, je fais une jolie passe de l'autre côté. En tout cas, on va aller, je vais essayer de l'épauler, mais je crois qu'il va perdre la balle. Franchement, je vais retourner, je vais aller juste au milieu parce que vraiment, mon côté, je n'ai rien, je vais aller sous le milieu parce que je trouve que le milieu, il manque vraiment un milieu. Et là, je suis fatigué, je n'aurai même plus la force de courir. Donc, il vaut mieux défendre. Ouh, c'était chaud là. Voilà, j'ai été remplacé. Donc, on se retrouve peut-être à la fin du match et je vais vous montrer combien était le score. Et voilà, on a marqué le but à la dernière minute. Incroyable. Incroyable, les gars. Voilà, franchement. Je suis choqué, même moi-même. Je suis choqué. Pourtant, Lille nous a dominés et il a suffi qu'on me remplace. En fait, je crois que c'est moi qui étais le maillon faible. Super but. Et voilà, ça fait 1-0. Donc, je vais passer tout ça. On va jouer notre dernier match ensemble avant de terminer la vidéo. On va voir les matchs qu'on a et puis je vais voir si peut-être je pourrais faire même une longue vidéo. Strasbourg. On va jouer contre Strasbourg. On va jouer contre Strasbourg et cette fois-ci, bon, on a gagné notre premier match de la saison. Tout cas, c'est très réaliste. Moi, je trouve que c'est réaliste en fait. Les premières saisons, quand on est jeune, on n'est pas fort. J'aurais voulu commencer quand j'ai 16 ans en fait, mais. J'ai essayé, il y avait un outil qui pouvait, c'était une sorte de cheat qui pouvait, tu peux augmenter tu peux changer n'importe quoi sur ton joueur, mais il ne marche pas sur ce mode malheureusement. En tout cas, voilà, nous sommes à la 8e minute pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Il va centrer, oui. Et le but. Très très bon but, très très bon but. Très beau but, pardon. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Charbonnier qui inscrit là son premier but de la saison. Premier but de la saison, en tout cas. Les attaquants dans ce. Dans mon équipe, on est super nul. Et premier ballon du match. Attention, attention. Ah là là là, ils viennent tous à deux contre moi. Je pouvais rien faire peut-être. Et là, je récupère la balle. En tout cas, je me suis bien battu. Charbonnier, ça c'est pour toi. Ça c'est tir, ça c'est. Oh là là, c'était bien joué, ça c'est le but. Et voilà. Grâce à qui? Grâce à moi. Grâce à moi en tout cas. Voilà maintenant. Maintenant, depuis qu'on a marqué notre premier match, je crois que l'équipe va se libérer un peu. Pour sentir ces coups-là. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Voilà, regardez. Ça, c'était très mal joué de la part des défenseurs. Et franchement, on m'a arraché la balle et je suis allé la récupérer. Ça, c'était très bien joué de ma part. Et pendant que j'ai arraché la balle, en fait, ma touche X s'est bloquée. En tout cas, il faudra que j'ouvre ma manette et je vois quel est le problème. Attention, attention. Ils viennent tout le temps à deux. En tout cas, Strasbourg, franchement, ils ont un pressing de haut niveau. Attention, Strasbourg prend le ballon aussi. Il va pouvoir passer. Il pouvait passer. Il a été un peu égoïste. Attention, attention. Je n'aime pas défendre. Je me rappelle sur une de mes vidéos, j'avais pris un but comme ça. Heureusement. Attention, je défends super mal. Je sais plus qui est mon joueur. Attention, ça c'était. Mais mon X, il a un problème. En fait, je crois qu'il y a une façon dont je touche si je force un peu. On dégage, frère, on dégage. Pour un peu soulager notre équipe. Attention, attention. Attention, il va centrer. Très très bon, très bien joué. Ah, pourquoi il m'a. Voilà, on va essayer. Voilà, on prend le ballon.
Il m'a même pas laissé le temps de faire ma passe. C'est ça le problème que j'ai en fait. En fait, la prochaine vidéo, je vais jouer avec le Switch pour vous montrer. Je vais faire Switch pour vous montrer la différence en fait dans ce mode qu'ils ont ajouté. En fait, moi, j'avais retiré ça parce que je trouvais que c'était trop facile. À part si j'augmentais à fond le truc, mais quand tu prends le ballon, tu vois, les gens ont le temps de prendre le ballon parce que la seconde que tu prends le ballon, tout le monde est déjà sur toi, en fait. Alors que tu peux juste la contrôler et partir directement. En fait, ils avaient changé ça pour que ça soit plus. Il y ait plus de réponses, en fait. Mais je trouvais ça un peu trop facile sur PS. Je trouvais ça un peu cheaté. Et quoi, c'est penalty, on dirait? Ah, c'est penalty. Ah, mais ils savent pas tirer au penalty dans ce jeu. C'est le deuxième penalty, je vais tirer au milieu. Bon, peut-être je vais faire un dernier match parce que je me dis que j'ai envie de vous montrer le Switch pour vous montrer la différence qu'il y a en fait. Très très bon, très bon contrôle. Ah, il pourrait passer ici. Attention. Ah non, j'ai très mal passé. Je passe ici. Je joue en tant que numéro 10. Attention. Et là, je peux tirer. Premier tir cadré de la saison, en tout cas. Je ne me rappelle pas avoir tiré cadré de toute la saison. Voilà, en tout cas, numéro 10, c'est ma place. C'est ma place, en tout cas, pardon. En fait, je joue très bien. Allez, là, il peut centrer. Là, il peut centrer. Là. Oh là là. Bon, ça va au moins. Je joue très très bien numéro 10. Là, je vais m'entraîner sur cette position juste après m'avoir entraîné. Tire première intention parce que. Allez, centre. Oh, mais il pouvait passer. Il pouvait passer. Ça allait être mon premier but de la saison en tout cas. Après, je demande la balle ici. Ouais, tout le temps que j'ai pour récupérer le ballon, pour contrôler la balle, c'est très long. Peut-être c'est un problème de stats, je sais pas. Peut-être si j'ai plus de stats, ça sera plus fluide. Passe. Mais ça, c'est quelle passe? Ça, c'est quelle passe, Charbonnier? Ça, c'est quelle passe? Mais la force quand tu passes. Il m'a énervé sur ça parce que là. C'est un but qu'on a manqué. Voilà. Ah, tu vois. Là, j'étais pris, j'étais marqué de près. Voilà, ça c'est très bien. Bon, c'était un peu trop lent. Et pourtant, ce genre de passe, parfois c'est petit, mais parfois PS, c'est bizarre aussi. Dans le dosage, je trouve. Cas, j'ai plus le jus pour courir. Mais on a gagné, en tout cas on a fait un très bon match, je trouve. Je suis super fatigué, j'espère que. Contrairement à FIFA, quand tu es tellement fatigué comme ça, tu te blesses. Mais dans PES, je me suis jamais, j'ai jamais vu un joueur se blesser. C'est bizarre. Et voilà, ça fait 2-0. Et voilà, on gagne notre deuxième, troisième match. Je vais continuer la vidéo. En fait, je me disais j'allais arrêter, mais bon, je vais continuer parce que j'ai envie de vous montrer le truc. Bon, on a 10 points, on est 6e en tout cas. On joue super bien. Je vais vous montrer en fait dans le mode. On va en fait sur le jeu et puis on va là où on a installé le jeu et puis il y a ce qu'on appelle FL23 Switcher. On clique dessus et puis on fait. Yes. Et puis on fait standard PS. En fait, football live gameplay. C'est ça en fait. Et puis voilà, on a switché notre truc. Parce qu'en fait, si tu veux jouer comme PS, normalement, tu viens ici sur standard, tu fais next. Et ça sera comme PS normalement. Mais si tu veux.
Si tu en as marre des contrôles très lents, tu vas sur Football Gameplay, tu fais Next. Et voilà. Et puis on va relancer notre jeu, bien sûr. Voilà, on est de retour. Bien sûr, on est de retour après vous avoir montré comment j'ai switché en fait. Maintenant, je vais vous montrer en fait le mode. Et vous verrez comment je vais augmenter en fait la difficulté aussi parce que en fait je trouve que quand c'est top player sur ce genre de monde c'est trop facile, mais il y a un mode légende aussi, il faudrait que je débloque. Et on va jouer notre premier match avec la RDC, donc je vais vous montrer, je crois que je vous ai jamais montré des équipes nationaux, donc on va jouer notre premier match amical. Et ça, on va se terminer sur cette vidéo, bien sûr. J'espère que la vidéo n'a pas été super trop longue pour vous. Ensuite, on continuera à la prochaine vidéo. Un match face à PSG. Et on jouera 5 matchs, je crois. Parce que j'ai vu qu'il y aura 5 matchs de suite qui sont très importants. Avec Rennes, Marseille. Et j'ai vu d'autres, je ne me rappelle pas. Mais ça sera vraiment. La prochaine vidéo sera très intéressante que celle-ci. Donc on va jouer contre le Chili. Donc il y a vraiment toutes les emails nationaux. Ça c'est pour les... Ils ont fait update. En fait, il y avait certains pays qui n'avaient pas des emails nationaux. Et ils ont ajouté certains pays qui devaient être... Pour que les compétitions, comme la Coupe d'Afrique par exemple... Il y avait vraiment peu d'équipes sur PS 2021 et sur ce patch, sur ce mode. Eh ben, il y a, je crois, il y a beaucoup d'équipes africaines. Il y a même le Kenya, il y a même l'Ouganda. Même en Amérique du Sud, ils ont ajouté. Même en Asie, ils ont ajouté. L'Indonésie, le Népal. Des pays qui n'étaient pas là, je crois, avant. Et la RDC, bien sûr, qui n'était pas là. Franchement, c'est pour ça que j'ai pris ce mode. Pour jouer pour mon pays d'origine, quoi. Je crois même que je vais appeler ma vidéo premier match en sélection. En tout cas, je vais passer tout ça. On a vu, on va directement et je joue quelle position? Qui fera la différence dans cette Milieu rencontre? défensif. Baby, quand tu reviens, C'est l'Afrique, hein? c'est un milieu de terrain comme on C'est est. l'Afrique, les Super gars. complet, rapide, Un technique, ailier qui créatif, joue milieu offensif, défensif, je sais pas ce que l'entraîneur a fumé. exactement sur la même longueur d'onde. Vaut mieux même pas me sélectionner ou bien même me mettre numéro 10. Vidal. Allez, c'est fluide. La passe, la Attention, frappe, le Chili va centre et peut-être. Eh oui, le Chili marque le premier but. Vous voyez comment c'est fluide en fait. On contrôle très rapidement et voilà. Je crois que je vais jouer sur ce switch, mais on va voir. Si je sens que c'est trop facile, je jouerai pas. Mais en tout cas, le stamina ici descend très très doucement. Voilà, vous voyez la rapidité. Voilà le premier tir. Ah oui, mais je trouve que c'est beaucoup mieux, hein. Je sais pas pourquoi avant j'avais pas aimé. Peut-être j'avais fait un match là qui m'avait pas convaincu, peut-être. Se retourner face au but, quel dommage. C'est joué long, attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vous trouvez, vous voyez que c'est un peu, c'est plus rapide. Les contrôles sont plus rapides, les passes sont plus précises. En tout cas, c'est différent que PS. Voilà, c'est pour ça que je voulais m'entraîner au tir aux premières intentions. Voilà, vous voyez comment c'est fluide. C'est vraiment fluide quand tu as la balle. Ah là là. Allez, peut-être que je démonte pas la balle. Ouais, l'endurance ici est mieux que avant. Hein. Vous voyez, on arrive au milieu alors qu'avant on gaspillait tout et tout était fini.
Je crois que je vais rester sur ce Switch. Je vais essayer de débloquer la difficulté légende et je vais voir si ça sera pour implémenter ça vers une légende et rester avec. Attendez, je suis descendu jusqu'ici pour prendre la balle. Eh tiens. Passe la balle. Ah non, fallait tirer. Et c'était même pas lui que je voulais passer. Franchement, je suis partout sur le terrain. C'est ce que je vous disais, c'est un peu cheaté ce mode. Voilà, ça c'est bien. Ouais, le contrôle il est fluide et là on peut plus me rattraper. Corner, je crois. En tout cas, ça me permet de courir, ça me permet vraiment d'être un très très bon joueur. C'est une interception parfaite. Que je récupère la balle. Ça passe à droite. Maintenant, le centre. Ah non, ça c'était très très mal joué. Toujours un petit quelque chose. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. C'est bien donné. Il tente sa chance. Oh, c'est un arrêt. On est en train de perdre le match alors qu'on joue super bien. Ah non, j'ai très très mal passé. J'ai très très mal passé. Ok, on récupère la balle. Ah non, 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 qu'est-ce que je fous? C'est en tout cas. Bon, voilà. Je crois qu'on va arrêter. On va arrêter la vidéo par ici. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ça sera face au PSG, bien sûr. Je vais jouer de mon côté jusqu'à arriver à ce match. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci et à bientôt, les gars. À bientôt.